antagonistes du réveil national et alliés. Je vous demande de les applaudir très chaudement, mesdames et messieurs. Applaudissez très chaudement. Et nous baillons garantie. Nous baillons garantie. Et nous savons que sous vim avec toute l'équipe moyenne, même je nous ai renversé Ariel, nous avons renversé Conseil Sayo, nous avons pris le pouvoir, nous avons résolu le problème des blancs. Merci. Très bien. Je dis à nous pour un petit temps pour nous causer avec le peuple. Pour nous causer avec le pays. Pour nous causer avec la presse. Nous tous connaissons. En septembre 2023, un groupe de citoyens haïtiens, leader politique, leader d'organisation, militant engagé, citoyen conséquent, en pile là-dedans, dans l'autre département, je dis, il y a fait mobilisation, mais n'a pas un bel panel avec moi, qui était toujours campé dans la bataille avec nous et qui, je dis, continuer camper. M'a demandé un applaudissement pour panel ça. En septembre 2023, ensemble citoyens saillants qui nous sommes cité là, nous avons constaté que l'équipe qui a dirigé le pays, qui a gagné Ariel dans la tête là, te pren pep haïtien pou makak. La presse te commencé dénoncer. En pile moun t'a plein nan kèy. Mais nous-mêmes, réveil national pour souveraineté pays, nous te pren courage nous à demain pour nous te répéter bien haut sa population pas ka répéter bien bas. T'a répéter bien bas. Eh bien, nous avons lancé la bataille de février, de septembre pour arriver en janvier. Nous sortis de bataille pacifique là à révolution qui aboutit, nous tous connaissons, avec débat Ariel dans la tête pays. Nous tous connaissons pour que ça nous ait engagé la bataille. Nous t'es engagé bataille là pour pays nous t'es gain sécurité. Nous t'es engagé bataille là pour 80% jeunes garçons et jeunes femmes qui dans chômage t'es capable rallon souffle. Nous t'es engagé bataille là contre la misère, contre souffrance, parce que nous t'es rendu nous compte et nous tout témoins que je dis, hein, c'est difficilement pour le peuple à joindre morceau manger. Ariel a une mission pour le mettre sécurité, le battre métal. Il a une mission pour le bataille pour changer les conditions de vie, le battre vel. Il a une mission pour organiser l'élection, le battre cafel. Mais par conséquent, réveil la demande, battre boudal. Réveil à Tétil, tirer la révérence. Après gros combat que nous menons, la presse que m'a salué en pile, qui te prend gros engagement dans la lutte, des leaders conséquents, femmes et garçons vaillants, qui te campé avec nous dans la lutte, nous rete, nous constater une équipe causée avec le support de
l'international, principalement la CARICOM, volait victoire peuple là. Est-ce que moun ka dirije yo, c'est pour ça nous dégoumé? Non. Est-ce que c'est pour ça nous dégoumé? Non. Eh bien, yo ba nous on coulève axe, sept têtes, deux cornes, un queue. Nous te prenons temps pour nous garder ça y a fait. Mais nous connaissons la marine par métier. Yo. Nous connaissons pas capable d'adresser le problème. Nous avons toujours pris un micro nous pour nous dénoncer. Nous avons toujours pris un bâton pèlerin nous pour nous reconnecter avec ou même peuple. Je dis, patience nous bout. Je dis, nous disons c'est assez. Je dis, nous dit, peuple n'a pas capable encore. Est-ce que nous sommes capables? Non. Neuf moun qui va être au président. Côté yoye, yon nan caché. Qui côté président konye? Qui côté président konye? Qui côté yon caché? Personne pas. Eh bien, nous avons une équipe moun qui prend pays en otage. Yo pas de capacité pour adresser problème yo. Ma pense exemple. Pi gros problème pays a gen jodi a rele, li rele hein? Ki pi gros problème pays a gen jodi an? Eh bien, équipe konzi ki nan tête pays a, nou konn ki sa yo fè? Yo fermé secrétaire d'état à la sécurité publique. Est-ce que vous entendez? Yo fermé porte secrétaire d'état à la sécurité publique. Secrétaire d'état fermé. Est-ce que y a une politique de sécurité qui a planifié pour nous? Non. Est-ce que y a une politique de sécurité qui a planifié pour nous? Non. Mes amis, son honte. Yo fermé porte ministère de l'intérieur. Descendre sous champ de Massada Poué, ministère de l'intérieur fermé. En nous sérieux, c'est des mouns qui prennent peuple là pour macaque. Au lieu de utiliser propres ressources paillon, l'armée, la police, PESAP, service d'intelligence paysan, ils ont préféré pas acheter Fibi Kenya pour mettre dans le pays. Mes amis, en nous sérieux. Je dis à pour Kenya au sorti, faut que la police là pour assurer sécurité. Nous comme ça. Pour Kenya au sorti, faut que la police là pour assurer sécurité. Près de 4 mois d'échec, 4 mois spectacle de la honte, 4 mois en rien pour peuple là, tout pour nous. Je dis nous venons, nous, patience, peuple là, bout. Et m'a dit nous encore, une raison qui fait nous éclair, monsieur, dame, ça n'a pas un projet pour mettre sécurité dans le pays. Hein? Au contraire, plan paio, c'est craser l'armée, hein? C'est craser la police et remettre le pays à bail international. Comme vous comprenez, yon moun qui dit c'est chef. On moun ki dit la dirige, la négocier pour une force multinationale rentrer dans le pays. Li négocier pour policier nous le rete à moins que $300 par mois. Pendant que chaque Kenya pour Pibiti a touché $1,500 américains. Qui ça veut dire? Qui ça veut dire? Plus salaire la caillou. Yo fait exprès. Yo fait exprès pour yo capable mettre police policiers nous dans condition pour yo révolter.